Salut tout le monde, c'est Théo. Salut, c'est Bilal. Et bienvenue sur Awesomeness. Aujourd'hui, on va faire le tag La Chanson Qui. Alors c'est parti. Comme tu le sais, Théo, je suis passionné de musique et aujourd'hui, j'avais envie d'en savoir un peu plus sur tes goûts musicaux. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça parfait qu'on puisse faire un petit La Chanson Qui pour que tu puisses me montrer selon tes humeurs quelle était la chanson que t'écoutais. Donc pour commencer, dis-moi quelle est la chanson qui te fait rire. C'est la chanson Milkshake de Kelis. Tu vois, elle est trop bonne. Donc maintenant, dis-moi, s'il y avait une chanson que t'aurais pu écrire, ça aurait été laquelle? J'ai jamais essayé d'écrire de chanson, quoi qu'il arrive. Celle que j'aime bien, celle de Ariana Grande, c'est One Last Time. Oh, mais allez, super. One more time, I promise after day, I'll let you go. Désormais, est-ce que tu peux me dire une chanson qui te rappelle ton adolescence? Miley Cyrus, Party in the USA. Wow. Elle est trop bien. Girl, so I put my hands up to play my song, the butterfly fly away, not in my ear like yeah. Moving my hips like yeah. Ah, j'aime trop cette chanson, elle est tellement bien. Est-ce que t'as une chanson que tu admets écouter malgré le fait que tu n'assumerais pas en temps normal de l'écouter? C'est, tu sais, genre celle de l'artiste Chocolat. Oh, c'est comment tu es? Tu es assassiné. Tu es sexy, raffiné. Tu es comme dans les films aussi, voilà. Chocolat. Eh, j'aime trop ça. Non, mais j'avoue, je l'aime bien. C'est quoi la chanson dont tu aimes les paroles? Clean Bandit avec Zara Larsson. Symphony? Ouais. I just wanna be part of your symphony. When you hold me tight and I let go. Une chanson que tu aimes écouter à ton réveil? C'est celle de Justin Bieber, Love Yourself. Ooh. Parce que tu sais, j'ai juste l'impression qu'il est à côté de moi avec sa guitare, donc c'est pas chiant. Ah, tu mais de ouf, t'es là en mode. Mais oui. Cause if you like the way. You look that much, well baby, you should go and love yourself. Ah, tu te réveilles, t'es là. Ouh, une bonne journée. Yes! Applause pour Bilal Hassani, applaudissements derrière l'ordi. Est-ce qu'il y a une chanson qui te rappelle ton enfance? Sheriff Aluna. Ah, il y a des mots. Tu sais que j'ai déclaré cette chanson meilleure chanson française jamais écrite au monde. Moi, à chaque fois, je suis en mode. Il était vraiment. Je sors les papiers. Sheriff, elle rentre en toi. Mais elle rentre en moi. Et tu sais. Attends. Je vais te montrer un truc hyper creepy que je sais faire. Mais à chaque fin du clip, je sais jouer avec mon diaphragme, mais je fais ça. Comment? Parce que Sheriff Aluna, à la fin du clip, si vous l'avez pas vu, elle révèle son ventre enceinte et elle fait. Mais non. Bah c'est le chant qui aide avec ça justement. Parce que vu que dans le chant on pousse avec le diaphragme, mais bah après tu peux faire des dindins après, donc mon ventre il peut faire ça aussi. Oh mais non. Dis-moi, c'est quoi la chanson qui te rappelle ta meilleure amie? Tu connais ma meilleure amie? Leïla. Oui. Ma base. Exactement. Leïla, sur cette vidéo, je pense à toi. Ça me rappelle Leïla parce que quand on était donc au collège en 4ème, on a écouté cette musique et du coup on l'a toujours réécoutée. Et c'est TikTok de Kesha. Elle est trop bien celle-là. Elle arrive dans sa villa et elle est en mode wake up in the morning feeling like P. Diddy. Got my glasses on my dada, I'm gonna hit this city. Dis-moi une chanson qui te fait pleurer. Je dois avouer un truc, j'ai jamais pleuré en écoutant une chanson. S'il y en a une, c'est John Legend, All of Me. All of me loves all of you. Quelle est la chanson en ce moment que tu aimes chanter? Bon appétit, baby. Cause I'm on the one boy. That you can have more. Got me spread like a buffet. Bon appétit, baby. La chanson qui correspond parfaitement à ton état d'esprit. Demi Lovato, tu sais à qui je parle ou pas? Sorry, not sorry. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Et dis-moi pour finir, quelle est une chanson que tu as beaucoup trop entendue? Et si tu entends encore une note de la chanson, tu pètes un câble. Genre. Happy de Pharrell Williams. Typiquement. Ah, j'en peux plus. Ah non, mais j'en peux plus. Possible. Après, oui, la musique est cool en soi. Elle les premières géniale. Fois étaient bien. Mais quand tu l'as entendu, Bilal, 43 000 fois à la radio, à la télé, fois. Quand ton lapin le chante, quand même tes murs se mettent à chanter. Quand ton matelas fait. Quand ton oreille fait. Tu me fais trop bien. Bon, écoute, on a fini cette vidéo plutôt c'est happy. Super cool. plutôt happy. Lol.
si vous avez aimé ce tag, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Vous pouvez aussi féliciter Bilal dans les commentaires parce qu'il a très bien chanté, je trouve. C'était très très cool. Merci. J'ai la voix un peu cassée, mais bon, c'est pas grave. La voix cassée, mais tu rigoles. Franchement, c'était vraiment très bien. N'hésitez pas à mettre aussi un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne d'Awesomeness TV. Et n'oubliez pas de mettre la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Ciao.